Nous sommes le 30 juillet 2019. Paulette Toulouse a maintenant ouvert ses portes depuis un petit peu plus de 3 mois. On a un certain nombre de clients, on est super contents. Et justement, j'ai deux clientes qui viennent de réserver pour ce matin. Donc ce que je vous propose, c'est de les accompagner. Comme ça, vous allez découvrir un petit peu la région. Comme vous le savez, on a ouvert 6 agences Paulette le 20 avril 2019. Les 6 agences sont Narbonne, Béziers, Sète, Agde, Castelnaudary et Toulouse. Puis, face à l'engouement du projet, nous avons décidé d'en ouvrir deux de plus, début juillet, à Port-le-Raguet et Fronton. Ce réseau d'agences permet aux gens de réserver leur vélo dans l'agence de leur choix et de le déposer dans n'importe laquelle de nos 8 agences. Du coup, il n'est plus obligé pour nos clients de rendre le vélo au point de départ. Le vélo électrique prend de plus en plus de place dans les locations et nous avons racheté un stock au début du mois de juillet pour faire face à la demande importante dès cette première saison. On a eu plusieurs retombées de presse également, dans des journaux nationaux comme La Dépêche du Midi, Midi Libre, L'Indépendant et le magazine Elle. On sent un certain engouement autour du projet, c'est ultra motivant pour nous. Nous faisons évoluer en permanence notre site sur PrestaShop. Nous avons ajouté des nouveaux modules afin de pouvoir gérer plus efficacement les agences. Tout le parcours client est maintenant entièrement digitalisé, de la réservation des vélos à la gestion des dommages potentiels. Travaillons également sur l'optimisation du référencement naturel, notamment grâce au module de PrestaShop avec le pack SEO Expert ou encore le blog professionnel. On s'apprête à attaquer notre plus gros mois. On a beaucoup de locations sur le mois d'août prévues et nous en espérons beaucoup d'autres à venir. Là, dans une semaine, nous avons 30 départs sur la même journée. Ce mois d'août s'annonce sportif, mais on est prêts.